Bonjour les gens, c'est Galaxy Coach pour, bien sûr, le deuxième match de préparation avant l'Euro. Là, c'est France-Angleterre. Bon, en fait, il y avait trois équipes. Il y avait Brésil, Argentine, Angleterre. J'ai fait au pif et j'ai pris Angleterre. Enfin, au pif, j'ai fait au pif, hein, j'ai fait plouf, plouf, une boule nanana. Et en fait, j'ai fait trois fois la plouf parce que à chaque fois, mais ça tombait sur Angleterre. Oh non, en fait. Ça a tombé une fois sur Argentine. Non, ça a tombé une fois sur Brésil et les deux fois, bah, ça est sur Angleterre, donc c'est Angleterre. Donc, je vous montre quand même les compos. Les compos, on voit que la France, j'ai pris une meilleure attaque. Griezmann, Giroud, Coman, milieu Payet, Kanté, Pogba, défense Clichy, Koscielny, Varane, Sagna et en goal, Lloris. Angleterre, ça va aller très vite avec Welbeck, enfin Kane, Sterling, Chamberlain, Rooney, Gerrard, après Bane, Smalling, Kyle, Stone et Forster. Enfin, je crois que c'est Forster ou c'est Fersté, mais bon, je crois que c'est Forster. Comment c'est? Donc là, c'est 15 minutes 35 de tournage. Bon, faut pas que ça dépasse 7 minutes 20. Enfin, faut pas que ça dépasse 7 minutes 35. La mi-temps. Si on voit un peu de glaire. Donc, comme vous l'avez vu dans le. D'abord. Dans le premier match de préparation, l'Euro contre le Cameroun. J'ai dit que le match, pour moi, il était ennuyant parce qu'il y avait beaucoup de pertes de balles sur les deux équipes. Même si c'est vrai, ils allaient beaucoup en avant, mais il y avait beaucoup de pertes de balles. Et c'est ça, bah, qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. Bon, la France a gagné 1-0, mais elle pouvait mettre plus de buts. Et le Cameroun pouvait mettre des buts aussi. Je sais que le Cameroun pouvait mettre des buts, mais je sais pas pourquoi ils n'avaient pas envie. Donc là, on est contre l'Angleterre. Il faudra faire très attention. Quand je dis très attention, très... Et mince! Attendez les gens, pause. Donc les gens, c'est bon, j'ai corrigé la petite erreur. Je me suis pas mis en mode entraîneur. Donc là, bah là c'est bon, je me suis mis en mode entraîneur et on peut y aller. Déjà, l'Angleterre là-bas, là. Oh là là, la vitesse. Ça fait but, ça. Chien pour la France. Je savais qu'on allait se prendre un but. Je savais. Demande la vitesse, Sterling, Chamberlain. Mais t'as pas vu la vitesse? Vitesse de compte, gars. C'est ça que je veux. En fait, moi, vraiment, moi, je suis pas vraiment pour la France. J'ai vu ce qu'il y a de l'action. Après, c'est vrai. Mais quand je vais faire l'Euro, je vais être pour la France. Mais bon. Pas vraiment en France, je vais, moi, bien sûr, je vais être pour la France parce que, mais, c'est l'équipe, mais que je vais jouer, mais bon, moi, je veux juste quoi? Mais qu'il y a de l'action. Et, je voulais prendre Argentine parce qu'il y aura plus d'action, mais bon. Et Angleterre, on sait que, Angleterre, vitesse, donc, voilà, hein. Là, comme vous voyez là, la France elle essaye d'aller vite. Mais elle n'arrive pas. Parce qu'en fait, les milieux de la France, ils sont pas faits pour aller vite. C'est que en fait les attaquants. Et les latéraux aussi un peu. Enfin, les latéraux des milieux. En équipe de France, ils sont. Ouais. Ils vont quand même vite parce qu'il y a Dembélé, il y a tout ça. Mais bon, moi j'ai pas pris Dembélé. Je vais peut-être le mettre.
Mais on dirait la France, c'est une équipe nulle. Comment je peux rater des centres comme ça? En plus, là, j'ai fait la meilleure, mais la meilleure, mais des compos. Hein? Oh, Chamberlain en vitesse. Kane. Kane avec Chamberlain. Oh, dommage, hors-jeu. Ça, là, si ça a passé, c'était fini encore pour la France, là. Ah, je vous le dis, parce que là, je crois, là, il y avait qui? Il y avait Rooney sur le centre et il y avait Sterling derrière. Ah, ça fait moins les malins maintenant, la France, hein. La manée, ils vont vite, hein, la France, hein. Tu mets une frappe, Giroud. Oh, dommage. Toute façon, c'était sûr, hein, c'était sûr. Vu comment ils se sont pris la balle vite en première mi-temps. Mais là, quand même, la France est en train de se rattraper. Mais Kanté, il a un crâne, c'est un truc de ouf. On dirait Junior. Elle met dans la famille. Elle met dans la famille d'abord. Là, il a le même crâne que Junior. Moi, à sa place, gars, je sais pas, j'aurais mis un chapeau. Hein. Même, je crois, même un chapeau, ça serait pas rentré dans son crâne. Bon, je me moque de son crâne, mais c'est un joueur très bon, Kanté. Hein. N'Golo Kanté, franchement, c'est un joueur, il est excellent. Aïe, aïe, aïe. Y a pas hors-jeu. Attends, j'ai pas compris comment c'est passé entre Koscielny. Eh, mais ça a failli rentrer, hein. Eh, mais Loris m'a fait peur, hein. Ah, il y a corner. Pff, tête. Oh, j'ai cru, mais que je sais pas, mais si c'était Sterling, mais qui allait faire la tête. Mais s'il allait faire la tête, ça serait rentré au calme, hein. Excusez-moi parce qu'on a vu mon doigt, je m'excuse. Ces passes, faut les faire bien, quoi. Ou si t'arrives pas à faire des passes, bah fais des passes en profondeur ou des passes, mais pas des centres. Punaise. Eh, les centres, à chaque fois, ils les ratent. Attendez, je vais juste me rapprocher un peu. Ah non, 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 parce que là, l'écran est flou. Je suis pas là, moi, je suis pas là. Attendez, les gens. Faire une petite ellipse jusqu'à que je vais remplacer des joueurs. Ellipse. Donc, les gens, c'est bon et on va recommencer le match. Et là j'ai fait la défense. J'ai mis 4 défenseurs centraux, les gens. 4 défenseurs centraux. Donc vous faites mener 2-0, mais vous jouez avec. Non, Pogba, là, il a fait n'importe quoi, là. Voilà, 4 défenseurs, c'est ça que ça fait normalement des défenseurs.
Je comprends rien. 3-0. 3-0. 3-0. Non. 3-0. Mais moi, j'ai cru, mec, que la France allait perdre au moins 2-1 ou gagner 2-1. Là, ils ont même pas une action du match. Enfin, si, une, juste avec Giroud. Ouais, mais là, la France, là, ils ont fait une dinguerie. Hein. Et je dois faire l'euro avec eux? C'est mort. C'est du quoi n'importe quoi. Excusez-moi, je suis en train. Tire! 3-0, une défaite. Je crois qu'on va pas aller loin là avec le roi. Oh là là, la fin de frappe. Oh là là. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, aïe 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 aïe. 3-0, mais genre, c'est pas un 3-0, mais eh, on a eu que deux actions, deux, trois actions du match, hein. Et en plus, la France a eu plus de possession. Ouais, on a eu que trois actions, ils ont cinq actions. Bon, les gens, c'est la fin de ce match, hein. 3-0, moi, ça me fait rien, hein. La France aurait dû se bouger. Hein? Aurait dû se bouger. J'ai fait les efforts de changement. J'ai fait. Mais ils ont rien fait, franchement. Et même à la fin du match, ils ont mis qu'une action. Pas terrible. Franchement, c'était n'importe quoi. Bon, les gens, le troisième match de préparation soit décisif parce que si la France ne le marque pas, ils seront dans une compo chaud. Enfin. Pas dans une compo chaud, mais ils seront dans un groupe où ils vont pas assumer les équipes. Bien sûr, quand je dis équipes, c'est pas des petites équipes, hein, c'est des grosses équipes. Donc, faut que la France gagne. Hein. Ah, faut qu'on gagne. Faut que la France gagne. Le troisième match. Allez, Jean, bye.